Appel à la solidarité et à l'aide de Mme Jacqueline Obon, sans revenu depuis la mise en application des mesures d'éradication du coronavirus, notamment en ce qui concerne le couvre-feu. En effet, cette compatriote mère d'une nombreuse famille, habitant Kingéré dans le 3e arrondissement de Libreville, se retrouve presque à la rue depuis plusieurs semaines du fait de la cessation de son activité économique faite de la vente d'eau et de boissons à l'entrée du centre hospitalier de Libreville. Le récit. Je vis avec un travail commerce. Je vends l'eau, les attangas, à l'hôpital général. En ce moment, l'hôpital général est fermé. Je vais aller vendre l'eau. Je suis assise, étant malade. Les médicaments que je bois, c'est ce que dans la marmite là, pour couvrir. Il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. Depuis son immatriculation à l'ACNAMGS, Dame Jacqueline Obon n'est pas toujours parvenue à rentrer en possession de sa carte d'assuré. Un fait tout de même surprenant. Tributaire du caractère véreux et corrompu, pour reprendre son expression, des agents de cette institution. Venir en aide, mes frères et sœurs, je suis là où? Je suis abandonné de moi-même. Quand mon mari est mort, il me dit, sors de la maison. C'est pas nous qui avons tué ton mari. Ils m'ont fait sortir de l'autre côté là-bas, la maison en plage. J'ai dépensé 900 000 avec mon mari. Maintenant, mon mari est mort là. J'aurais qui vient m'aider. Un cri de détresse qui devrait interpeller la ministre de Solidarité, Colinde, et les âmes de bonne volonté. Pour tout contact, appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran.